Bonjour, bonjour, ça va bien? Oui. Bien, on va commencer, on va prendre un temps de prière et on va poursuivre. Donc, je remplace Alexandre ce matin. Donc, on poursuit notre survol de l'Ancien Testament. Donc, aujourd'hui, on va survoler trois livres. Donc, on va quand même faire de la haute voltige. On a passé quand même plusieurs semaines dans les deux premiers livres de la Bible, Genèse et Exode. Et aujourd'hui, on va survoler en 45 minutes, 50 minutes, on va survoler les trois derniers livres des cinq premiers livres qui constituent la Torah, donc et qui étaient principalement la loi maîtresse du peuple d'Israël. Donc, on va survoler et on aura beaucoup de leçons à apprendre comme chrétiens aujourd'hui au travers de ce survol. Bien qu'on fasse juste un survol, je crois que le Seigneur peut nous parler au travers de ces trois livres, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc, prenons un temps dans la prière avant de commencer. Prions. Seigneur notre Dieu, nous sommes reconnaissants ce matin pour le privilège que nous avons de te connaître et surtout pour le privilège que tu nous fais en nous ayant choisis, prédestinés, afin que nous soyons tes enfants selon ton bon vouloir. Merci, notre Dieu, de ce que, avant toute chose, c'est à cause de ce que tu as fait pour nous que nous pouvons nous rassembler ce matin. Tu es venu alors que nous étions encore tous errants comme des brebis perdues. Tu es venu mourir pour nous et tu es venu accomplir la promesse qui était donnée et ceci depuis des générations. Et Seigneur, nous sommes les bénéficiaires de cette promesse-là. Merci Seigneur d'être présent au milieu de nous ce matin. Seigneur, viens nous conduire au travers de ta parole. Ta parole est la vérité. Viens nous instruire, Seigneur. Viens prendre les commentaires des uns des autres, les partages des uns des autres ce matin pour nous instruire et nous amener, Seigneur, où tu veux que nous soyons, afin que notre vie te glorifie jour après jour. C'est dans le nom de Jésus et pour sa seule gloire que nous prions. Amen. Donc, j'aimerais, en commençant ce matin, commencer par la lecture du psaume 34. Je vais finir aussi par la lecture du psaume 34. Mais j'aimerais commencer par la lecture du psaume 34, les premiers versets de David. Donc, psaume 34 de David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chasser par lui. « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Amen. Donc voilà un passage avec lequel on va commencer et avec lequel on va finir. Vous allez comprendre pourquoi dans la suite, quand on va arriver au point où on va faire un peu l'application de ce survol qu'on va faire rapidement. Et comme je disais tout à l'heure en introduction, c'est vraiment un survol. On a passé du temps avec Alex les premières semaines dans le livre de Genèse. On est passé au travers la création, au travers du choix que Dieu a fait en la personne d'Abraham et de comment le peuple de Dieu, Israël, issu de la postérité d'Abraham, est venu et leur passage en Égypte jusqu'au livre d'Exode où on est passé en revue leur vie d'esclavage en Égypte, la manière dont Dieu s'est servi de son serviteur Moïse pour les délivrer de cette servitude et comment est-ce que le peuple d'Israël, avec la main étendue de Dieu, le bras de Dieu, est sorti de l'Égypte et a commencé son pèlerinage vers la terre promise et les défis que le peuple a rencontrés donc, sur leur chemin vers la terre promise. Et aujourd'hui, en fait,
le survol de Lévitique, Nombre et Deutéronome, va nous permettre de préciser certains éléments qui ont été déjà vus avec Alex, surtout dans Exode. Donc, on va revenir sur certains éléments, surtout quand on va attaquer le dernier livre, le survol de Deutéronome. On va se rendre compte que c'est vraiment un rappel à la nouvelle génération de ce qui s'est passé déjà avec leurs parents. Donc, commençons par le livre de Lévitique. Donc, la première chose, c'est de quoi nous parle Lévitique? Comme je vous ai dit ce matin, on va vraiment faire un survol. De quoi nous parle Lévitique? Voilà comment on peut résumer. S'il y avait une seule phrase pour résumer le livre de Lévitique, on dirait que la loi concernant, c'est Lévitique présente la loi concernant les fêtes et les sacrifices pour qu'Israël vive une vie sainte en communion avec le Dieu saint. Donc, on va voir dans Lévitique, généralement, Lévitique, ce n'est pas un livre qu'on aime lire comme chaque matin en disant, « OK, ça me tente de lire un passage biblique, je m'en vais dans Lévitique. » Donc, c'est très rare que ça soit comme ça. Et pourtant, des fois, et on va voir aussi dans Nombre, où on voit le dénombrement, tout ça, on se dit, il y a tellement de noms, il y a tellement de généalogies, il y a tellement de pratiques qu'on se dit, c'est quand même assez loin des pratiques d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui, au 21e siècle, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces livres? Mais une réalité, une vérité qui est éternelle, c'est que la parole de Dieu est encore d'actualité, quel que soit le passage de la parole de Dieu. On peut toujours, comme enfant de Dieu, apprendre quelque chose. Et ici, le livre de Lévitique va mettre en évidence davantage la sainteté de Dieu. Parce que toutes les règles, toutes les fêtes, tous les sacrifices que Dieu donne à son peuple témoignent de sa sainteté, témoignent du fait qu'on ne peut pas s'approcher de ce Dieu-là n'importe comment. Donc pour nous, même si ce n'est pas les mêmes pratiques en termes de culte que nous observons aujourd'hui, nous pouvons apprendre des exigences de Dieu et voir comment est-ce que, sous la nouvelle alliance, cette exigence-là, nous pouvons rentrer dans la volonté de Dieu. Donc, quand on lit le livre de Lévitique, les premières parties du livre nous parlent des sacrifices et des offrandes. Donc, c'est vraiment, on couvre toute une section qui commence du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6. On nous parle principalement des offrandes. Donc, nous allons regarder ensemble quelques offrandes, juste les survoler. D'abord, on nous parle des holocaustes. Donc, vous allez entendre, et vous allez, pas seulement dans Lévitique, mais dans l'Ancien Testament, ça revient, les holocaustes. Qu'est-ce que sont les holocaustes? C'est une offrande à l'Éternel. C'est une offrande de bétail, du gros ou du menu bétail. C'est une offrande pas de n'importe quel bétail non plus, c'est un mâle sans défaut. Et il va y avoir quelques images comme ça qu'on va retrouver après dans sous la Nouvelle Alliance, en la personne de Jésus-Christ. Donc, c'est une offrande d'un bétail ici qui va servir d'offrande à l'Éternel, mais ce n'était pas n'importe, c'est vraiment un mâle pris au milieu du troupeau et il faut s'assurer que ce mâle qui est pris pour le sacrifice soit sans défaut. Soit sans défaut. Naturellement, les gens se contentait d'analyser l'animal et de voir qu'il est sans défaut. Mais il n'y avait pas une règle absolue pour s'assurer hors de tout doute. Et c'est ce qui montre aussi l'imperfection du sacrifice qui était fait. Même si les gens faisaient l'effort de choisir l'animal sans défaut, il n'y avait pas une règle qui déterminait hors de tout doute que c'est sans défaut. Il y avait aussi dans le livre de Lévitique, parmi les offrandes qui étaient offertes à l'Éternel dans le livre de Lévitique. Il y avait beaucoup d'offrandes de grains. Donc, c'est aussi une offrande de dons. Souvent, c'est soit des fleurs de farine pétries à l'huile, sans levain, cuits au four, à la poêle ou sur le grill. Donc, on voyait aussi qu'il n'y avait pas que des offrandes en termes d'animaux, il y avait aussi des offrandes de grains. Donc, et une des offrandes qui est aujourd'hui un peu, nous le célébrons indirectement, c'est l'offrande des prémices. Donc, les épis nouveaux qui étaient rôtis et offerts à l'Éternel
à chaque saison de récolte. Donc, il y avait cette offrande-là qui était offerte à l'Éternel et on le célèbre ici d'une certaine manière en parlant de l'action de grâce. L'action de grâce, c'est un moment choisi dans l'année où nous voulons nous arrêter pour reconnaître tous les bienfaits de l'Éternel dans nos vies, où nous voulons reconnaître toutes les bénédictions que nous avons reçues de l'Éternel dans notre vie. Alors, de la même manière, le peuple d'Israël, quand il faisait les offrandes des prémices, s'arrêtait à la fin de la récolte, à la fin de la saison, ils ont fait des récoltes. Donc, ils prenaient les prémices de ces récoltes pour les offrir en témoignage de la bonté de Dieu sur leur vie, parce que Dieu est un... Notre Dieu s'appelle Jéhovah Jiré, le Dieu qui pourvoit. Dieu a pourvu en abondance au travers de belles récoltes et ils prennent les prémices de cette récolte pour l'offrir à Dieu. Donc, on voit donc une série d'offrandes donc dans Lévitique, dans les premiers chapitres de Lévitique. Mais aussi, on voit dans le livre de Lévitique une série de sacrifices. Il y avait beaucoup de sacrifices aussi. Donc, on parle de sacrifices d'action de grâce. Donc, encore là, du gros et du menu bétail, mâle ou femelle, cette fois-ci, sans défaut. On parle de sacrifices d'expiation. Et le sacrifice d'expiation a une résonance particulière dans la Nouvelle Alliance. Pourquoi le peuple d'Israël devrait faire? Quelles sont les raisons qui poussaient, pour lesquelles Dieu exigeait du peuple d'Israël de faire un sacrifice d'expiation? C'est que le sacrifice d'expiation servait pour expier le peuple de son péché volontaire contre l'un des commandements que l'Éternel a donné. Dans Exode 20, nous avons vu cette liste de commandements, les 10 commandements que, d'ailleurs, la semaine dernière, Alex nous a rappelés. Donc, les 10 commandements que Dieu a donnés à son peuple. Et autour de ces commandements, il y avait d'autres commandements dans la pratique au quotidien. Et le sacrifice d'expiation servait, donc la raison pour laquelle on offrait ce sacrifice, c'était que volontairement, on avait péché contre l'un de ces commandements qui avait été donné. Et donc, qui dans le peuple était amené à offrir ce sacrifice? Quasiment tout le monde. Le sacrificateur lui-même, celui qui servait de médiateur, la semaine dernière on l'a défini, celui qui servait de médiateur entre le peuple et Dieu, lui-même devait offrir un sacrifice d'expiation avant de rentrer dans la présence de Dieu. Parce qu'il ne rentrait pas dans la présence de Dieu comme sans défaut, comme on va le voir en la personne de Jésus-Christ qui est rentré dans la présence de Dieu sans défaut. Donc, le sacrificateur était le premier qui devait offrir lui-même un sacrifice d'expiation. Le peuple dans son ensemble, le peuple comme assemblée, pas de façon individuelle, comme assemblée, le peuple aussi devrait offrir des sacrifices d'expiation parce qu'ils ont péché volontairement contre l'un des commandements. Un chef du peuple ou quelqu'un, n'importe qui dans le peuple individuellement aussi, pouvait offrir ce sacrifice d'expiation. Donc voilà un peu, nous allons faire tantôt le parallèle avec le Nouveau Testament. On parlait aussi dans Lévitique, surtout dans Lévitique au chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, on parle du sacrifice de culpabilité. Les sacrifices de culpabilité sont différents des sacrifices d'expiation. La grande différence, c'est les raisons qui font qu'on offre un sacrifice de culpabilité. Les sacrifices de culpabilité étaient offerts principalement parce que nous avons menti sous serment. Donc, s'il y avait un mensonge sous serment, ou parce qu'on a touché une chose souillée. Parce que dans l'Ancien Testament, dans le livre de Lévitique et dans d'autres livres de l'Ancien Testament, il y avait une liste de choses qu'on ne pouvait pas toucher parce que cela nous rendait impurs. Par exemple, toucher à un animal mort, toucher à un cadavre. Donc, tout ça rendait impur. Donc, quand on touchait donc une chose qui nous rendait impur, alors on offrait un sacrifice de culpabilité. Parler à la légère, jurer ou faire du mal, on est revenu sur un des commandements la semaine dernière. Alexandre a pris beaucoup de temps là-dessus. Donc, un des commandements dit que nous ne devons pas prendre le nom de l'Éternel en vain. Donc, jurer au nom de l'Éternel ou dire quelque chose en n'ayant pas vraiment l'intention vraiment de l'honorer. Donc, ça fait partie de ces choses. Commettre une infidélité,
ou un péché involontaire. On fait quelque chose, vraiment, ce n'est pas comme on l'a prémédité, mais finalement, ce que dans d'autres milieux, on appellerait un péché par omission. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas pensé, mais c'est quelque chose d'involontaire, mais ça ne demeure pas moins que ce soit un péché. On a péché même si volontairement, on ne l'avait pas prémédité. Donc, péché contre contre le commandement de l'Éternel ou mentir à son prochain. Donc, voilà une série de raisons possibles qui nous amenaient à faire un sacrifice de culpabilité. Donc, voilà, je survole comme ça rapidement donc, la partie dans Lévitique qui nous parle des offrandes qui étaient offertes à l'Éternel et aussi des sacrifices qui étaient offerts à l'Éternel. Je vais plutôt prendre un peu plus de temps sur les fêtes et les saisons. Les fêtes et les saisons, parce qu'on va voir vraiment des parallèles. Tantôt, je vais vous amener à faire avec moi la lecture dans le Nouveau Testament pour voir quelques parallèles. Et on va voir que Jésus connaissait vraiment très bien les Écritures. Naturellement, c'est bizarre de dire que Jésus connaissait très bien les Écritures, puisque lui-même est la parole. Mais, disons, Jésus, homme, maîtrisait au bout des doigts les Écritures. Et vous allez voir qu'il y a vraiment un fil conducteur, surtout dans l'Évangile de Jean, il y a un fil conducteur des actions que Jésus pose à des événements particuliers parce que Jésus veut faire passer un message. On va voir le parallèle dans les prochaines minutes. D'abord, le sabbat. Donc, le sabbat, vous avez vu aussi ce commandement qui dit d'honorer le jour du sabbat. Donc, la semaine dernière, on a pris du temps pour expliquer c'est quoi le sabbat. Est-ce que nous, aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, est-ce que nous devons honorer le sabbat? Et Alex disait à juste titre que oui, le sabbat, donc, c'est ce jour-là spécial que Dieu, même dans la création, a créé toutes choses en six jours. Il s'est reposé le septième jour et il a commandé à son peuple de le faire. Et le jour du sabbat, il y avait une convocation solennelle, une convocation sainte, dit la parole de Dieu, et il n'était pas autorisé de faire quelque ouvrage que ce soit le jour du sabbat. Donc ça, c'est ce qui a été commandé. Donc on l'a vu dans Exode 20, au travers les commandements que l'Éternel a donnés, et ça se retrouve aussi dans le livre de Lévitique au chapitre 23. Les trois premiers versets nous parlent de la même chose. Et à côté du sabbat, qui était un jour de la semaine, il y avait un certain nombre, comme les corollaires du sabbat, c'est les conséquences issues du sabbat, c'est qu'il y avait une année sabbatique. L'année sabbatique, on retrouve dans Exode 23, mais aussi dans Lévitique 25, les sept premiers versets, c'est une année de repos pour la terre. Même la terre, ce n'était pas seulement aux hommes de se reposer le septième jour. Même la terre se repose. En tout cas, Dieu a ordonné que la terre se repose le septième jour. Et naturellement, aujourd'hui, il y a certaines choses que les agronomes modernes disent avoir découvert, mais ils n'ont rien découvert, puisque Dieu l'avait déjà institué, que, en fait, quand on laisse une terre, et vous le voyez, si vous habitez un peu à la campagne comme moi, et que vous traversez quelques champs avant d'arriver chez vous, vous voyez que même aujourd'hui, au 21e siècle, malgré tous les produits qu'on met dans l'agriculture pour essayer de pousser au maximum la productivité, on voit quand même que les gens sont obligés des fois de laisser un terrain. Ou l'année dernière, vous avez vu du blé d'Inde partout sur le terrain. Une année arrive, vous voyez qu'il n'y a plus rien. Il n'y a pas de blé d'Inde qui est planté cette année. On laisse l'herbe pousser. Et ensuite, l'année suivante, vous revoyez que ce terrain est... Et aussi, on fait des fois carrément une rotation de culture pour que une des cultures se nourrisse, les cultures ne se nourrissant pas exactement des mêmes minéraux que la terre puisse un peu se renouveler. Donc il y avait donc cette idée-là, au-delà de ce que Dieu demandait d'avoir cette année sabbatique, il y avait donc cette idée que la terre allait se renouveler la septième année où elle était en repos. Donc on cultivait pendant six ans le repos la septième année. Donc, c'est aussi une sorte de sabbat en l'honneur de l'Éternel, la septième année. Et comme conséquence ultime, il y avait une troisième chose, c'est l'année du jubilé. On le voit dans Lévitique 25, verset 8 à verset 55.
Donc, c'est 7 sabbats d'année. Ça dit 7 fois 7, 49, si vous êtes fort en mathématiques. Donc, la 50e année, on se repose. Donc, c'est une année particulière. Pas d'agriculture. La 50e année, l'année du jubilé. Et il y avait quelque chose d'assez particulier cette année, c'est que tout le monde retrouve sa liberté. Parce qu'il y avait, parmi le peuple d'Israël, on pouvait, l'esclavage dont on parle dans le peuple d'Israël, naturellement, n'a rien à voir avec l'esclavage historique que vous connaissez. Quand on parle d'esclavage, vous pensez par exemple à la traite négrière aux États-Unis, vers l'Amérique ou vers l'Amérique latine. Mais l'esclavage dont parle la parole de Dieu, généralement, n'avait pas la même teneur que ce qu'on voit historiquement. Et les gens, parce qu'ils s'étaient soit endettés, pouvaient se mettre un peu sous celui envers qui se sont endettés. Donc, ils devaient se mettre au service de la personne sous forme d'esclavage, de servitude. Donc, ils servaient cette personne, ils ne s'appartenaient pas en quelque sorte pendant les années où ils étaient sous la servitude de cette personne à qui ils devaient des choses ou pour plusieurs autres raisons. Mais ce qui était spécial, c'est que à l'année du jubilé, tout le monde devait retrouver sa liberté et les biens qu'il avait hypothéqués à cause du fait qu'il devait des choses à son, en tout cas à la personne sous qui il était en esclavage. Donc, c'est vraiment une année de liberté. Et on le voit un peu dans la déclaration de Jésus. Quand Jésus s'est présenté la première fois publiquement dans le temple, et il a déclaré, où on lui a donné un rouleau, donc vous le trouverez dans Luc 4, on lui donne un rouleau pour faire la lecture. Le jour du sabbat, il fait la lecture, il dit que Dieu a annoncé une année de libération pour le peuple, un peu à l'image du jubilé. Donc c'est vraiment, Jésus se présente comme celui-là qui venait affranchir le peuple, comme on affranchissait l'ensemble des esclaves, l'ensemble de ceux qui étaient sous la servitude et qui retrouvaient leur liberté la 50e année, donc pendant l'année du jubilé. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans Jean 5, 17 à 18. Allons lire ensemble Jean 5, 17 à 18. Un peu pour résumer ce qu'on vient de dire autour du sabbat. Jean 5, 17 à 18, là il est écrit, je lis dans la version de la nouvelle version de Genève. Donc, verset 17, 18, Jean 5, « Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, Jésus opère un miracle le jour du sabbat. Et compte tenu du principe que les Juifs avaient en esprit qu'on ne devait pas travailler le jour du sabbat, même guérir quelqu'un, pour eux, c'était travailler le jour du sabbat. Donc, beaucoup de Juifs ont commencé à se soulever contre Jésus, contre contre le fait qu'il faisait des miracles ou guérissait des personnes le jour du sabbat. Et on voit toute une discussion entre Jésus et les gens, les Juifs qui l'accusaient. Et Jésus leur explique que si ton brebis tombe dans un puits le jour du sabbat, est-ce que tu le laisses dans le puits sous prétexte que cinq jours, on ne doit pas travailler? Donc moi, je ne peux pas descendre dans le puits, cinq jours, je ne dois pas travailler. Donc tu restes là, demain on se verra. Personne ne fait ça. Tout le monde se précipite pour faire sortir la brebis du puits. Pourquoi Dieu ne libérerait pas quelqu'un? Pourquoi Dieu n'opérerait pas de miracles? Et Jésus dit quelque chose d'assez intéressant. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent, comme si son Père, lui, ne se reposait jamais. Donc, c'est comme si c'était en contradiction avec l'idée conçue qu'on avait que c'est comme si Dieu a créé l'univers en six jours, le septième, il s'est reposé. Donc, probablement que tous les septièmes jours, Dieu fait dodo. Donc, Dieu se repose le septième jour, il attend de voir, et le lendemain, il recommence le travail.
Mais Jésus leur dit, non, non, ça ne se passe pas comme ça. Mon Père agit jusqu'à maintenant, et moi aussi, j'agis maintenant. Et moi, je n'ai pas besoin de prendre de repos parce que j'agis et je n'ai pas besoin d'observer le sabbat comme, en tout cas, dans la compréhension que les gens avaient en ce moment. Allons plus loin, le temps file. Les fêtes annuelles, il y avait plusieurs fêtes annuelles qui étaient imposées dans Lévitique, et une qu'on connaît bien parce qu'elle, on va dire, elle a traversé les âges et on l'a adoptée sous la Nouvelle Alliance, c'est la Pâque et les fêtes de pain sans levain. Donc, Exode 12 en parle, 13 en parle, Lévitique 23 en parle. Donc, la Pâque se fêtait le 14e jour du premier mois, donc dans le calendrier juif. Donc, c'était le 14e jour du premier mois. Et le but de la Pâque était principalement se souvenir du fait que l'Éternel est passé au-dessus des maisons des Israélites le jour où, en Égypte, Dieu, pour montrer sa puissance à Pharaon, a frappé tous les premiers-nés mâles dans le peuple, en allant des hommes jusqu'aux animaux. Tous les premiers-nés mâles étaient frappés. Et ce jour-là, Dieu avait demandé à son peuple de faire un sacrifice d'agneau et de mettre le sang sur les linteaux de leurs portes. Et quand l'ange de la mort passait au travers du pays, aucune de ces maisons où le signe de la présence de Dieu n'était touchée. Et donc, le peuple d'Israël se souvenait année après année de cela. Et le 15e jour, donc le 14e jour, on fêtait la Pâque. Et le 15e jour, c'était la fête de pain sans levain pour se rappeler cette fois-ci du fait que, suite à cette démonstration extraordinaire de puissance de la part de l'Éternel, Pharaon a laissé partir le peuple d'Israël. Et c'est le 15e jour, que l'exode du peuple d'Israël a commencé, donc leur sortie d'Égypte. Et il y avait un rituel qui accompagnait cela. Jésus lui-même l'a observé, des pains sans levain pendant 7 jours. Donc le peuple mangeait, il offrait pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Donc c'était une convocation sainte le premier jour et aussi le 7e jour pendant toute la semaine sainte. Donc ensuite, on nous parle aussi beaucoup dans Lévitique de ce qu'on appelle la fête des prémices. Donc la fête des prémices arrive le lendemain du sabbat. Donc on apportait une gerbe au sacrificateur, on offrait en sacrifice un agneau d'un an sans défaut, donc 2/10 de fleur de farine, 1/4 de un de vin. Donc il y avait toute une cérémonie aussi autour de la fête des prémices dont on a parlé rapidement. Les prémices, les premiers fruits de tout, par exemple des récoltes, en tout cas à chaque saison, donc le premier fruit de tout. Donc les prémices. Et la Pentecôte, donc ça aussi c'est quelque chose qu'on connaît. Donc la Pentecôte, donc c'est 7 semaines après Pâques qu'on célébrait la Pentecôte. On offrait, donc il y avait des offrandes, des sacrifices. Donc je vous en passe les détails. Ensuite, il y avait aussi dans Lévitique, on nous parle dans Lévitique 23 toujours, on nous parle de la fête des trompettes. Donc c'est le premier jour du 7e mois. Cela marque le début de l'année religieuse chez les Juifs. Donc, encore là, des sacrifices consumés par le feu. Et ensuite, on parle dans Lévitique 16 de la fête des expiations, ou qu'on connaît aujourd'hui, parce qu'il y a certaines fêtes qu'on connaît dans l'actualité, donc Yom Kippour, donc qui est une fête bien célébrée même aujourd'hui, beaucoup par la communauté juive. Donc, c'est un jour d'humiliation devant Dieu, où on faisait des sacrifices aussi d'expiation et de communion. Donc, une des fêtes, je vais revenir sur deux des fêtes principalement dont on vient de parler. La fête des tabernacles, c'est le 15e jour du 7e mois, pendant 7 jours, les sacrifices consumés par le feu, convocation le 1er et le 8e jour, pour se rappeler que l'Éternel a habité au milieu de son peuple sous les tentes. Parce que quand ils traversaient le désert entre l'Égypte et la terre promise, ils ont vécu sous les tentes. Et la fête des tabernacles était consacré au souvenir de ce que l'Éternel était présent. Et je vais vous conduire aussi dans le Nouveau Testament pour vous montrer le parallèle que Jésus a toujours fait entre sa personne, la Nouvelle Alliance, et ce que le peuple d'Israël vivait. Regardons ensemble Jean 6, le verset 35 et le verset 51. Jean 6, 35 et 51. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. » Celui qui vient à moi n'aura jamais faim,
Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, et je donnerai pour la vie du monde. Ça, c'est quand même dur à entendre. Du moins, pour le peuple d'Israël qui l'entendait pour la première fois, ça a été d'ailleurs un scandale. Un scandale parce qu'après ça, on disait qu'il y avait une grande foule de disciples qui suivaient Jésus. Après cette déclaration, cette foule s'est divisée en deux. Il y en avait qui disaient, non, ça c'est trop dur. Quelqu'un qui nous donne à manger son propre corps, on ne sait pas de quoi il veut parler, c'est trop compliqué. Mais on se rend compte que la Pâque était quand même un symbole fort que Jésus voulait mettre en avant, c'est que Jésus était le vrai pain. Ce n'est pas le pain sans levain que le peuple mangeait pendant la cérémonie de la Pâque. Ce n'est pas seulement ce pain sans levain qui ne leur apportait peut-être qu'un souvenir limité dans le temps. Jésus lui-même était le vrai pain. Et il le dit clairement, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, il n'aura jamais soif. » Vous n'avez pas besoin d'année en année d'aller de retourner encore prendre ce pain en souvenir. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'avoir le vrai pain. Le vrai pain, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Et il dit, si quelqu'un mange de ce pain, le pain que Jésus-Christ lui-même est, il vivra éternellement. Il annonce la vie éternelle pour quiconque placera sa confiance en lui. Donc, on voit un peu cette image, on va dire, renouvelée de la Pâque sous la Nouvelle Alliance. On voit aussi, et Jésus faisait souvent ces déclarations le jour où il y avait cette cérémonie où le peuple d'Israël vivait la Pâque. C'est pendant cette célébration de la Pâque que Jésus déclarait qu'il était le nouveau pain que le peuple devait manger et non le pain sans levain auquel ils étaient habitués. Ensuite, on a parlé tantôt de la fête des tabernacles qui était la fête qui permettait, qui faisait office de souvenir de ce que le peuple de Dieu, que Dieu a habité parmi son peuple sous les tentes pendant qu'il traversait le désert. Voilà une déclaration le jour de la fête des tabernacles que Jésus fait. Donc, dans Jean 7, et ensuite, on va lire Jean 8, 12, Jean 7, 37 à 38, Jésus déclare, et là, la parole de Dieu nous dit, « Le dernier jour, c'est-à-dire de cette fête, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Chapitre 8, verset 12, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Voyez-vous, pendant que le peuple d'Israël traversait le désert, ils étaient conduits par Dieu lui-même. La présence de Dieu était physiquement présente au milieu du peuple d'Israël. Et Israël n'a manqué de rien. Ils étaient dans le désert, mais est-ce qu'ils avaient de l'eau? Ils avaient de l'eau en abondance. Dieu a fait sortir de l'eau du rocher pour abreuver son peuple. Pendant que Israël traversait le désert, Dieu lui-même était la lumière qui les éclairait. Et ce n'était pas seulement une image, c'était une réalité, c'était une lumière véritable qui éclairait le peuple. Physiquement, le peuple voyait la présence lumineuse de Dieu en leur milieu. Et Jésus profite de la fête de souvenir de cela pour leur rappeler une vérité, que l'eau vive, ce n'est pas celui qu'ils ont trouvé dans le rocher. Que la vraie eau vive, c'était lui. Jésus profitait de ce moment pour leur rappeler que la véritable lumière, ce n'était pas celle qui les a conduits pour ne pas se perdre dans le désert, mais que la véritable lumière, c'est lui. Il dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » Le peuple a cru qu'en ayant vu la glorieuse présence de Dieu au milieu dans le désert, ils avaient tout vu. Alors Jésus leur dit, « Non, vous n'avez rien vu, parce que la vraie lumière, la voici. » Elle est devant vous. Je suis la vraie lumière. Si vous me suivez, jamais vous ne serez couvert de ténèbres, mais il y aura la lumière dans votre vie.
l'action, l'œuvre de Jésus n'est pas seulement physique, elle est vraiment intérieure, c'est dans notre vie. Donc, voilà rapidement survolé donc, le livre de Lévitique. Donc, j'ai voulu quand même prendre un peu plus de temps sur le livre de Lévitique. On va vraiment aller plus vite dans les deux autres livres parce que je trouvais qu'il y avait d'excellents parallèles entre les fêtes qui étaient recommandées au peuple d'Israël dans Lévitique et aujourd'hui plusieurs des vérités essentielles que, comme croyants, pour nous, ce sont des évidences parce que nous avons reçu ces révélations de la part de Jésus-Christ lui-même, mais pour les gens du temps de Jésus, il était important de comprendre le parallèle de ce qu'ils avaient comme pratiques religieuses, culturelles et des pratiques qui étaient devenues tout simplement pour la plupart des Juifs des rites qu'ils suivaient, mais peut-être même sans comprendre le sens profond, Jésus venait tout de suite mettre la différence. Et c'est pourquoi on disait déjà la semaine dernière avec Alex que Jésus n'était que l'accomplissement de toutes ses promesses, c'était l'ombre des choses à venir. Ce qu'on avait dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, toutes ces fêtes, tous ces sacrifices, tous ces commandements, toutes ces célébrations étaient tout simplement une ombre des réalités qui se sont accomplies en la personne de Jésus-Christ. Donc, extrêmement important. Juste pour conclure, si vous regardez Lévitique 11, 44 à 45, il est écrit « Car je suis l'Éternel, votre Dieu ». Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis saint, et vous ne vous rendez point impurs par toutes ces reptiles qui rampent sur la terre, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Donc, on ne peut pas mieux résumer le livre de Lévitique que par ces mots. Notre Dieu est un Dieu saint, il n'y a aucun autre moyen de l'approcher si on n'est pas saint. Il n'y a aucun autre moyen de l'approcher si on n'est pas saint. Mais en ayant dit cela, on met la barre très haute. Parce qu'on dit Dieu est saint, pour l'approcher, il faut être saint. Nous, on commence par se poser quelques questions. Parce qu'on se dit, il paraît que, d'ailleurs Yannick nous le rappelle depuis plusieurs semaines, qu'on est incapable d'obéir à toute la loi de Dieu. On n'est pas capable d'obéir à toute la loi de Dieu. Là, on se dit, il y a quelque chose qui ne marche pas. Dieu est saint pour être saint, et pour l'approcher, il faut être saint, mais on n'est pas capable de faire toutes les choses nécessaires pour être saint. Donc, ce qui veut dire que c'est comme si la cause est perdue. Elle est entendue déjà. C'est impossible. On ne peut rien faire. Mais la bonne nouvelle s'en vient. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces choses se sont réalisées en une seule personne. Tous les sacrifices qui se répétaient d'année en année ont été comme et remplacés par un seul sacrifice avec le mot-clé « Tout est accompli ». On n'a plus rien d'autre à faire. Donc, ça, on nous l'exposé dans le livre des Galates nous permet de passer au travers ces vérités. Le livre des Nombres, rapidement, en quelques minutes. Donc, le thème principal, le livre des Nombres, c'est la formation et la préparation d'Israël par Dieu dans le désert en vue de l'entrée dans la terre promise. Israël était un peuple, mais pas vraiment un peuple quand il était en Égypte. Vous comprenez, c'est comme un ensemble de familles en Égypte. Il n'y avait pas une organisation autour d'Israël. Ils sont arrivés, les 12 enfants de Jacob sont arrivés, ils sont devenus très nombreux, ils ont peuplé une bonne partie, et ensuite les Égyptiens les ont pris en haine, ils les ont mis sous esclavage et tout ça. Donc au moment où ils sortaient, ils n'étaient pas vraiment structurés, organisés comme un peuple pour vivre de façon autonome et indépendant sur un territoire. Or, Dieu leur a promis un pays. Dieu leur a promis un peuple. Et pour cela, Dieu va les préparer, afin que quand ils vont prendre possession de ce peuple, ils soient en mesure de fonctionner comme réellement un peuple. Donc, c'est toute cette préparation qu'on voit dans le livre des Nombres. Donc, tout commence et dans le livre des Nombres par le dénombrement, naturellement. Il fallait savoir combien de gens on amenait dans ce beau territoire que Dieu avait promis. Donc, dans les premiers versets, versets 1 à 4, déjà, on commence le dénombrement. Mais le premier dénombrement, il est purement militaire. Parce que, voyez-vous, ce n'était pas un no man's land. La terre promise, ce n'était pas un endroit où personne n'habitait. Et que, OK, bon, voilà, il y a une parcelle de terre, il n'y a personne ici, OK. Bon, le peuple
vous pouvez occuper cette parcelle. C'était des villes qui étaient construites, habitées par des gens. Donc comment est-ce que le peuple allait prendre possession? Ça allait passer probablement, certainement, par des combats. Et donc Dieu ordonne un dénombrement d'abord militaire. On le voit dans Nombre 1, versets 45 à 46. Tous les enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leur père depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter des armes, tous ceux dont on fit le dénombrement furent de 603 550. Donc voilà, c'était les gens en âge de combattre quand ils sont sortis d'Égypte. Donc ensuite, on voit que non seulement Dieu ordonne le dénombrement, donc on sait qui est capable d'aller combattre s'il y a lieu. Donc en plus, ensuite de cela, Dieu va assigner des positions. Donc, il les met vraiment dans une structure particulière. Mais cette structure, elle est révélatrice pour nous aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. C'est que dans les positions que Dieu assigne, on le voit dans Nombre 2, et le tabernacle qui symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple était au milieu et les quatre coins cardinaux étaient occupés par différentes tribus. Donc, Dieu les organise en tribus autour de sa présence, donc Dieu au milieu. Donc, au nord, on avait la tribu d'Asser, de Dan et de Nephtali. Au sud, Siméon, Ruben, Gad. À l'est, on avait les Gershonites, Manassé, Éphraïm et Benjamin. À l'ouest, Moïse, Aaron, les Lévites, ainsi que la tribu d'Issacar, de Juda et de Zabulon. Donc, on voit tout ça. Ensuite, Dieu commence par organiser le culte autour dans le peuple d'Israël. Donc, on voit les Lévites donc, qui étaient en quelque sorte les serviteurs du temple, donc c'était des gens qui officiaient, qui servaient dans la présence de Dieu dans la maison de l'Éternel, dans le temple. Donc on voit leur rôle dans Lévitique 3. Donc ensuite, il y a les règles de vie dans le camp. Parce que les gens sont sortis avec comme des pratiques peut-être différentes dans chacune de leurs familles. Alors Dieu organise même les règles de vie dans le camp, comment il faut se comporter. Et là aussi, on commence par voir les différentes règles que Dieu donne, l'institution du tabernacle, la célébration de la Pâque, donc le commencement du culte de façon structurée et organisée. On le voit dans Nombre 9, les versets 15 à 18. Le jour où le tabernacle fut dressé, et la nuée couvrit le tabernacle, la tente d'assignation, et depuis le soir jusqu'au matin, il eut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il fut continuellement ainsi. La nuée couvrit le tabernacle et elle avait l'apparence la nuit d'un feu. Quand la nuée s'élevait au-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuée. Les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Donc, on voit un peu. Ensuite, il y a eu toute la phase d'errance que Nombre rappelle. Donc, dans Nombre 10, à partir de Nombre 10, l'errance dans le désert de Sinaï à Kadesh. Ensuite, l'incrédulité et la révolte. Et ça, c'est vraiment intéressant de s'arrêter rapidement quelques minutes là-dessus. Quand on lit dans Nombre 13, à partir du verset 27, il est écrit, voici, donc c'était, Moïse envoie les gens comme des espions pour voir un peu le territoire, pour mieux s'organiser. Donc voici ce qu'ils racontèrent à Moïse, nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, dans ce pays où coule le lait et le miel, et à la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, « Montons, emparons-nous du pays. » Nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Donc on voit déjà la rébellion, les 12 qui étaient allés, seuls 2 avaient la confiance que l'Éternel était capable de leur donner la victoire sur ces peuples puissants, certes, mais qui était plus puissant que Jéhovah, l'Éternel, Dieu des armées?
qui pouvait. Et en plus, on ne pouvait pas dire, en fait, ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ont déjà vu la main de l'Éternel depuis l'Égypte. Depuis l'Égypte. Si Dieu les a délivrés de la main de Pharaon, pourquoi ne les délivrera-t-il pas de la main des fils d'Anak, aussi puissants soient-ils? Donc, on voit déjà donc, les prémices de cette révolte. Donc, il y a eu révolte, rébellion des enfants. Et la sanction de Dieu, le jugement de Dieu a été sans équivoque. On le voit dans Nombre 14. Vos cadavres tomberont dans ce désert, vous tous dont on a fait le dénombrement en vous comptant depuis l'âge de 20 ans au-dessus et qui avez murmuré contre moi. Vous n'entrerez point dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter, excepté Caleb, fils de Yéphouné, et Josué, fils de Noun. Et vos petits-enfants dont vous avez dit deviendront une proie, je les y ferai entrer, et ils connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Donc, l'appel de Dieu a été sans équivoque. Aucun de ceux qui avaient été dénombrés au début du livre du Nombre, aucun d'eux ne mettra pied sur la terre promise, même pas Moïse. Même pas Moïse. Imaginez la colère et le jugement de Dieu. Imaginez la colère et le jugement de Dieu, sauf les deux espions qui avaient reconnu le bras de l'Éternel capable de défier toutes ces populations, donc Caleb et Josué, d'ailleurs Josué qui a pris la succession ensuite de Moïse. Et on le voit dans la dernière partie du livre des Nombres à partir du chapitre 22. Donc Dieu, on voit une série d'événements où un roi demande de maudire le peuple d'Israël en réponse. Et Balaam, qui était le devin que le roi avait, Balak avait fait venir pour maudire le peuple d'Israël, bénit plutôt Israël. Donc, ensuite, on voit la préparation pour la conquête et l'anticipation de l'occupation. Donc, tout ça se passe pendant les 40 années d'errance dans le désert. Cela nous amène dans notre dernier, le dernier livre, donc le livre de Deutéronome. Donc, le thème principal du livre de Deutéronome est assez simple. C'est la loi qui est redonnée à la nouvelle génération en vue de vivre l'alliance dans la terre promise. Donc, l'ancienne génération que Dieu a jugée indigne de rentrer dans la terre promise à cause de leur rébellion et quasiment de l'injure de ce peuple vis-à-vis de ce que Dieu était capable de faire. Et rappelez-vous, si vous allez lire les détails dans le livre de Nombre, il y en avait qui ils ont commencé littéralement à élire un chef. C'est-à-dire que Moïse, OK, c'est bon, OK, on arrête avec toi, on va se trouver nous-mêmes un chef et on va faire nos valises, on retourne en Égypte. Parce que là, il y a de la viande et des concombres. Voyez-vous, c'est-à-dire de toute la misère qu'ils vivaient, la seule chose dont ils se souvenaient, c'est la viande et les concombres. Et en réalité, on n'est pas si différent. Aujourd'hui, ça peut nous paraître un peu anecdotique, la viande et les concombres. Comme si la souffrance, l'esclavage et les durs travaux était comparable à la viande et aux concombres. Mais aujourd'hui, des fois, nos réactions ne sont pas si différentes que ça. Donc, on voit donc, dans le dernier livre de la Torah, donc des cinq premiers livres, on voit les premiers chapitres. Donc, c'est la rétrospection pour apprendre du passé. Naturellement, ça, c'est très, très instructif pour nous. Comme enfants de Dieu, l'apôtre Paul, d'ailleurs, nous invite, « Soyez mes imitateurs !» Soyez mes imitateurs, comme moi-même je le suis du Seigneur Jésus. Apprendre du passé, il y a toujours quelque chose de positif à en tirer. Autant en bien qu'en mal. Si j'ai fait des erreurs, si j'ai manqué mon coup, si je regarde des gens qui ont vécu leur foi avant moi, comment ils ont marché, je peux aussi, donc, tous ces événements peuvent m'aider, que ce soit de ma propre vie ou de la vie des autres, je peux apprendre de ces choses pour avancer. Donc, c'est ce que Moïse fait avec la nouvelle génération. Il dit, regardez ce qui est arrivé à vos parents. Regardez ce qui est arrivé à vos parents. Vous, Dieu a juré que vos parents n'y entreront pas, mais vous y entrerez. Vous, cette génération, vous allez entrer et voici ce qu'on attend de vous. Extrêmement important. Et une des choses, d'ailleurs, que Jésus reprend beaucoup dans le Nouveau Testament, dans Deutéronome 6, 4 à 9, tu aimes, écoute Israël. Donc ça, c'est une phrase vraiment célèbre chez les Juifs, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu est le seul éternel. C'est quasiment comme un slogan parmi le peuple d'Israël.
Et on le voit, Jésus le reprend. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et ces commandements sont encore valides aujourd'hui. Donc, et ensuite, à partir de Deutéronome chapitre 12, il y a l'appel à vivre dans la sainteté, à l'image de notre Dieu. Le renouvellement de l'Alliance, un peu plus loin dans Deutéronome 27, l'Alliance continue. Cette fois-ci, on voit le passage du flambeau où Moïse sait qu'il ne pourra pas rentrer dans la terre promise. Dieu l'a clairement fait connaître qu'il ne passera pas le Jourdain. Alors, devant tout le peuple, il encourage son successeur que Dieu lui-même a désigné en la personne de Josué. On va finir rapidement là-dessus. Dans Deutéronome 31, les 8 premiers versets, Moïse adressant encore ses paroles à tout Israël. « Aujourd'hui, leur dit-il, je suis âgé de 120 ans et je ne pourrai plus sortir et entrer. Et l'Éternel m'a dit, tu ne passeras pas ce Jourdain. » L'Éternel, ton Dieu, donc il parle au peuple Moïse, « L'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi, il détruira ses nations devant toi et tu t'en rendras maître. Josué marchera aussi devant toi comme l'Éternel l'a dit. L'Éternel traitera ses nations comme il a traité Sion et Og, roi des Amoréens, qu'il a détruits avec leur pays. L'Éternel vous les livrera et vous agirez à leur égard selon tous les ordres que je vous ai donnés. Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point, ne soyez point effrayés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi et il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. » Moïse appela Josué et lui dit en présence de tout Israël, « Fortifie-toi et prends courage, car tu entreras avec ce peuple dans le pays que l'Éternel a juré à leur père de leur donner, et c'est toi qui le mettra en sa possession. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, ne crains point, ne t'effraie point. » Moi, je ne crois pas qu'on puisse mieux. Des fois, je lis ce passage et je vais me l'approprier. Je vais entendre Dieu me dire, « Ne crains point, je marche avec toi. Ne t'effraie point, je marche avec toi. C'est l'Éternel lui-même qui marchera avec son peuple. » Et Moïse, comme ça, va faire ses adieux au peuple d'Israël. Donc, on le voit, les adieux dans Deutéronome. Et on voit qu'après Moïse, il n'y eut aucun autre prophète aussi, en tout cas aussi puissant que Moïse, sinon celui qui n'était pas prophète, puisqu'il était Dieu lui-même, Jésus-Christ. Et on le voit clairement dans Jean, je vous invite à lire à la maison, Jean 5, 31 à 47, où Jésus se compare en quelque sorte avec Moïse en disant au peuple d'Israël, « Si vous ne me croyez pas, c'est normal. Mais si vous croyez au moins Moïse, puisque tout le monde se réclamait aussi de Moïse, si vous croyez au moins Moïse, vous me croirez. » Parce que Moïse a parlé de moi. Moïse a parlé de moi. Donc, je vous invite à lire cela. Quelle application en 2 minutes qu'on peut faire de tout ce survol des 3 derniers livres qu'on vient de voir? Garde ton cœur plus que toute chose. Parce que Dieu est saint et Dieu a un rendez-vous avec toi. Donc, c'est quelque chose de très important. Si tu t'attaches à l'Éternel, tu vas être heureux. L'Église est le peuple de Dieu. Il doit rester attaché à Dieu. On doit s'encourager et veiller les uns sur les autres par amour, dit les Écritures. On doit chercher la face de l'Éternel dans le but d'accomplir sa volonté. On doit être un berger les uns pour les autres. Donc, on doit veiller les uns pour les autres. Chacun d'entre nous ici a la responsabilité de son frère. Nous ne pouvons pas dire comme Caïn, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Oui. Oui, 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 si vous posez la question ce matin à Dieu, « Suis-je le gardien de mon frère ?» Il vous répondra, « Oui !» C'est ça le rôle que je t'ai donné. Tu es le gardien de ton frère. Voilà pourquoi l'Église n'est pas une option. L'Église est un besoin, est une nécessité du peuple de Dieu. Dieu mettra notre foi à l'épreuve. Ça, c'est certain. Dans notre marche, Dieu mettra notre foi à l'épreuve. Mais
nous devons garder à l'esprit le passage de Jacques. Jacques nous dit que l'épreuve a pour objectif d'affermir notre foi. Nous devons faire attention à notre propre réaction pendant que nous traversons l'épreuve. Pendant que nous traversons l'épreuve, nous devons faire attention à nos réactions, les murmures contre Dieu. Vous savez ce que ça a coûté, n'est-ce pas? 40 ans de désert avec aucun qui rentre sur la terre promise. Je ne dis pas que Dieu laissera tomber le même type de jugement, mais nous devons faire extrêmement attention à notre attitude, notre réaction. Nos réactions sont humaines, sont naturelles. Je vis une épreuve, donc je crie. Mais dans ce cri, je dois faire attention de ne pas murmurer contre Dieu. Donc ça, c'est vraiment notre responsabilité. Accepter l'épreuve est un sujet de joie, nous dit Jacques. Et enfin, prier pour que Dieu nous délivre. C'est un peu avec cela que j'ai commencé ce matin le texte dans les psaumes. Dans le psaume 34 en particulier, les versets 5 à 6, dit que celui qui se confie en l'Éternel, celui qui met tout son cœur en l'Éternel, l'Éternel le rend heureux. Donc voilà, bien-aimé, survol extrêmement rapide de 3 livres. Le but de ces études n'est pas de creuser chaque point, mais c'est d'essayer de tirer quelques parallèles intéressants pour que nous puissions les appliquer aujourd'hui dans notre vie. La parole de Dieu dans toute sa totalité est d'actualité encore aujourd'hui. Nous pouvons nous en inspirer et vivre à la lumière de ces choses. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, quand nous regardons des fois le peuple d'Israël, surtout avec sa rébellion, sa désobéissance, et en même temps, quand nous regardons toute la puissance que tu déploies, tu as déployée en Égypte et tout au long de leur pèlerinage jusqu'à la terre promise, tout ce passage d'errance dans le désert, des fois nous ne comprenons pas pourquoi le peuple avait un cœur si rebelle. Mais en même temps, ce cœur si rebelle nous rappelle tristement notre propre cœur devant toi, où malgré des fois ta main puissante qui nous a délivrés dans bien de situations, malgré souvent ton regard de bonté envers nous, quand nous traversons une épreuve, Seigneur, la première réaction que nous avons, c'est de murmurer contre toi avec une liste de pourquoi. Seigneur notre Dieu, aide-nous. Aide-nous à nous inspirer de ceux qui nous ont précédés dans la foi pour pouvoir poser les bons actes aujourd'hui. Merci Seigneur de nous conduire aujourd'hui et aussi révèle-nous qu'en Christ, effectivement, tout est accompli, que nous n'avons pas besoin de chercher tant à être parfaits par nous-mêmes, mais que nous avons besoin tout simplement de placer notre confiance en Jésus-Christ qui a tout accompli. Que ton nom soit béni. Bénis cette matinée et permets que nous puissions te célébrer dans la deuxième partie du culte ce matin, que nous puissions aussi être édifiés par ta parole et que nous puissions, Seigneur, sortir ici en ayant la conviction que tu ne nous abandonneras pas, tu ne nous délaisseras pas, parce que toi-même, tu marcheras avec nous. C'est en Christ que nous prions. Amen.